mes petits camarades. Nous sommes le vendredi 20 août 2021 et me voilà dans les bois, encore une fois et toujours, parce que j'adore ça. Et je suis parti faire un bon petit tour, découvrir un nouveau circuit entre l'abbaye et les Dames de Meuse. Alors, selon les cartes d'état-major, hein, on doit prendre l'escalier qui est là, à ma droite, passer au-dessus de la clôture électrique par cet escalier et redescendre dans le parc à sangliers. Bon, ben voilà, je passe au-dessus de la clôture électrique. Il doit y avoir normalement un petit chemin. Bon, ben, l'eau est bien dégueulasse ici, hein. Chapeau. Bon, en fait, quand on sort de la passerelle, on arrive sur un grand sentier. Et puis tout de suite, à droite et non à gauche, il faut prendre ce petit sentier. Et puis tout au début, il faut monter sur ce Talweg, aller en face, et là on voit la mare, donc là voilà cette fameuse mare. Et je vais prendre le sentier tout de suite à gauche là, pour contourner cette mare. Là je suis dans le parc à sangliers. Là, heureusement j'ai consulté la carte d'état-major, parce qu'une fois qu'on est autour de cette mare forestière, il n'y a aucune indication sur les arbres. On ne sait pas si on est sur un sentier pédestre, sur un sentier de grande randonnée. C'est un peu le bordel, hein. On verra bien. C'est vraiment la jungle ici, les petits copains. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On a des jeunes pousses de sapin un peu partout, là. Bon, là, il y a une espèce de cabane d'observation. Il faut trouver le chemin qui y mène. Bon, là, j'y suis, mais il n'y a pas vraiment de chemin. Je ne sais pas si c'est un mirador ou quoi. Bon, on va grimper voir pour se repérer. Comme vous voyez, c'est assez haut devant une espèce de mangeoire là-bas. Oui, c'est certain que c'est pas les sangliers qui viennent bouffer là. Hein. On va aller voir ce qu'il y a dans la gamelle. Mais il n'y a plus rien. Il faut dire que c'est pas la période de chasse. Hein, mais bon, voilà. Voilà, on a un pain de sel pour cervider. Hein. C'est bien sauvage. Et pour retrouver son chemin là-dedans, il faut déjà être balèze. Hein. Bon, là, je suis arrivé sur un grand chemin forestier. Je suis toujours dans la réserve. Hein. C'est bien mouillé, hein. Faut que je passe sur les côtés. Là. Bon, je crois que j'ai enfin trouvé le site des Dames de Meuse. Donc voilà un des escaliers qui franchit la clôture. Et on est bien sur le site des Dames de Meuse. Hein. Alors, ce qui est étonnant là-bas, c'est qu'ici on n'a aucune protection. Je vous montre un endroit. Hein. Bon, là il y a un banc, je vais casser la croûte là. Hein. Mais il n'y a aucune protection. Ce qui s'appelle aucune protection. Le vide là, hein, c'est le vide complet. Il y a le barrage. Le barrage en dessous, donc c'est avec la voie verte là. Hein. Le barrage de l'Effour. Bon, voilà le casse-croûte de ce midi. Hein. Bon, tout simple, hein. Comme je vous ai déjà dit, dans les bois. Je m'emmerde plus, hein. Je cuisine à la cabane des bois, mais là non. Donc un bon petit pâté naf, un bon bout de sauciflard, une banane, du pain, de la flotte. Regardez ça si je suis pas bien ici. Hein? Elle est pas belle la vie ici là? Elle est magnifique. Donc voilà un bon petit morceau de pain. Regardez comme il est beau. Je l'ai acheté ce matin à fumer chez mon boulanger, Fritz Singer. Alors là, c'est une plus petite boîte de pâté neuf, mais bon, c'est bien parce que j'ai un saucisson, et puis une banane. Hein. Regardez comme il est beau le saucifleur. Un saucifleur mangé là, en pleine nature, c'est magnifique. Bon, on va attaquer le petit tapin. Alors ça, moi, celui-là, comme il est bien fin, le boyau, moi, je bouffe la peau avec. Hein. On a déjà bien entamé le sauciflard hier avec mon Alexandra. Hein. Ah oui. Ah oui, une copain. Un cas de bonheur de bouffer ici.
Quel bonheur. Voilà une belle petite pénichette.